Bien, bonsoir, bonsoir à tous, et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette d'un petit plat spécial Québec, spécial québécois, et c'est la spécialité de là-bas. Du coup, j'avais du fromage. J'avais du reblochon comme fromage et ma femme a regardé des recettes sur internet. Qu'est-ce que je pourrais faire, excusez-moi, avec le reblochon qui me restait. Et je me suis préparé tout simplement une poutine savoyarde. Alors c'est la spécialité de là-bas, c'est leur plat préféré, c'est l'un de leurs plats préférés de là-bas apparemment. Et ce que j'ai vu sur internet. Et je me suis pris, enfin je me suis préparé un petit, enfin une petite poutine, ou un poutine, non une poutine savoyarde avec deux steaks hachés. Et vous allez voir la recette elle est super simple à faire. N'hésitez pas à me dire si vous allez la faire en commentaire. Alexandra va être contente pour cette vidéo je pense. Et c'est parti, on se retrouve pour la recette, à tout de suite. Dans un premier temps, pour réaliser la poutine savoyarde, il faut rajouter de l'eau dans une casserole chaude. Alors c'est 25 cl d'eau, 25, non excusez-moi, c'est 15 cl d'eau, 15 cl de vin blanc. Ensuite, vous prenez du bouillon de volaille. Moi j'ai pris de la poudre, mais un bouillon c'est bon aussi, il en faut qu'un. Moi j'ai mis deux cuillères de fond de volaille et ensuite vous remuez jusqu'à quand que vous voyez plus le bouillon ou le fond de volaille. Vous remuez. Ensuite, une fois que votre bouillon est prêt, vous rajoutez 30 grammes de beurre et vous rajoutez 30 grammes de farine et ensuite vous remuez jusqu'à quand que ça boue et que ça épaississe. Ensuite, une fois que ça a bien épaissi, que ça boue, vous rajoutez le reblochon dans la casserole et vous laissez le temps au fromage que ça fonde. Enfin, je sais pas si c'est français, enfin, vous laissez que. Enfin, vous remuez jusqu'à ce que ça fonde, tout simplement. Alors, moi, je l'ai couvert avec un couvercle pour que ça fonde plus vite. Vous pouvez faire pareil aussi. Et ensuite, une fois que vous avez cette texture bien onctueuse, vous servez cette sauce avec, enfin sur les frites. Et normalement, ça devrait vous faire ceci. Une fois que vous avez mis votre sauce sur les frites, vous rajoutez des morceaux de reblochon sur les frites et ça vous fait un poutine savoyarde. Voilà, et on se retrouve pour la dégustation. Bon, bah voilà, nous nous retrouvons dans la salle pour manger. Cette petite ce poutine ou cette petite poutine bon bref ce repas québécois spécialité Québec et on va voir ce que ça donne. Ma femme a mangé avant moi, moi je n'ai pas mangé, j'ai gardé la surprise en vidéo et ça m'a l'air d'être excellent et ma femme a surkiffé. Mon fils qui aime rien d'habitude, il mange presque rien, enfin il mange rien à part des pâtes, des frites, tout ce qu'il mange. Mais il a kiffé de ouf. Du coup, bah, c'est parti. On va goûter le petit plat québécois. Alors, c'est la deuxième fois. Enfin, c'est la première fois que je fais ce plat. Mais c'est la deuxième fois que je fais un plat québécois. La dernière fois, j'avais fait le pâté chinois. D'ailleurs, je remercie encore l'abonné hein, qui m'a conseillé cette recette. Et si. Là, ce mois-ci, il y aura beaucoup de vidéos recettes et de dégustations. J'ai des plats de ouf à vous faire. Mais c'est vrai que ça donne envie quand même. Attends. Hop. Et je me suis fait deux steaks hachés avec. Moi, les steaks hachés, je marche par deux. Bien sûr, le petit plat québécois. Avec, pour accompagner le steak haché, je me suis mis de la sauce dans un petit ramequin. Les Québécois, s'il y a des Québécois dans ma communauté, dites-moi si je l'ai réussi ou pas. Apparemment, c'est la spécialité de Québec. Enfin, c'est même Québec, bon. Ma femme a voulu chercher des recettes.
Allez, bon appétit si vous n'êtes déjà pas mangé. Et moi, je vais déguster ça tranquillement avec vous. Et c'est parti. Bon appétit.
manger. On va manger le steak haché. Avec la sauce que j'ai mis dans un ramequin, regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Moi, tout ce qui est à base de fromage, j'adore ça. Ma femme aussi, laisse tomber. Désolé si je parle pas beaucoup, je suis en train de savourer de ouf. Terminé. Je vais manger vite. Moi, je vais manger vite en 10 minutes. Et voilà. Excellent, excellent, excellent. Votre santé. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR, je pense.